Et c'est l'heure du troisième épisode. Salut à tous, bienvenue. Installez-vous, accrochez-vous. Vous avez vu cette belle vue là qu'on a là? Alors là, c'est mon objectif du jour. Et après, il y aura le deuxième ici. Je pense que ça nous fera un bon épisode. On aura de quoi faire. Donc, du coup, ici, j'ai dû me battre contre des Covenant. Hop là. Ça peut être pas mal, ça fait pas mal de dégâts et du coup j'ai récupéré un nouveau cosmétique dans un casier. Et j'ai un lance-roquette aussi. Oh, la cartouche! Bienvenue dans ce deuxième épisode, lâchez un pouce, les doigts en l'air, tout ce que vous voulez. J'avais pas vu lui par contre. Mais est-ce qu'il envoie des cartouches lui? Apparemment, ils ont revu la difficulté à la hausse et le mode normal correspond à l'héroïque. Montre-toi! Ah voilà. Voilà. Et du coup, le mode légendaire c'est encore plus difficile qu'avant et. Donc à voir, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi le mode héroïque, c'est vrai que j'ai jamais fait, j'ai toujours fait le mode normal sur Halo. On m'a toujours dit que c'est Halo, il y avait toujours une certaine difficulté, donc. Tiens. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est ici? Crémator Backdraft. Qu'est-ce que c'est? Crémator, mais c'est pas une nouvelle nouvelle arme. Calcineur, fusée électrique. J'ai tout envie d'essayer. Ah mais attends, c'est quoi? Oui, c'est le Grunk là, je sais plus comment il s'appelle. D'accord. Donc là maintenant, avec les points de bravoure que j'ai des. Je peux appeler des marines sans renfort sur les bases là où on peut déployer des véhicules. J'ai bientôt assez de points de bravoure pour appeler les Warthogs. Une grotte ici. Putain, mais c'est génial d'avoir fait un monde ouvert. Semi-ouvert, je sais pas si c'est semi-ouvert. Voilà, je rentre par là, d'accord. Ok, je vais pouvoir faire un carnage. C'est sûr. Faut que je vise dans. Mais il va mourir, oui. Okro Vagadoun est près d'ici, Major. Attention, son dossier fait peur. Ce monstre a massacré des milliers de soldats de l'UNSC. Mais l'heure de la revanche a sonné. J'y penserai. Je vais lui fumer sa poire. Je récupère mon arme. Oula. Pas bouger. Je l'ai pas eu quoi. La pointe. Elle signa la pointe de son épée.
J'adore la musique. Il faut une deuxième arme quand même qui soit efficace parce que... Ah ouais? Ah ouais, je suis mort. C'est l'heure de prendre un coup de café. Bon bah on va détruire les élites et puis après on verra pour le reste. Ah what? D'accord. Alors déjà je vais changer d'arme avec le ravageur là. On va aller chercher ce qu'il faut là. Je l'ai lâché où mon arme moi? Ah putain. Bon, on va prendre ça. Ou un pistolet à plasma. Le crémateur ça a l'air pas mal quand même. Qu'est-ce que tu fous là toi? Quoi ce truc là qui rebondit là? What? Tu n'es pas un alpha. Ton armure cède. Commence par quoi? Je fais le malin, je suis mort, je sais pas combien de fois déjà. Il va encore falloir chercher. Fais bien toi déjà. Voilà. J'ai tué des élites ou pas là? Il est où lui? Ah, il est là. Ouais, c'est juste un élite en fait. Ok. J'utilise les... le fusil à pompe. Prolonge la traque. Grenade. Il est où lui? Tu vas mourir. Là, il est invisible, c'est ça ou j'ai mal vu? What? Un peu raté là. Je
Il y a encore un élite là? What? La grenade, pourtant j'ai... Ah non, il me l'a collé dessus, je suis bête. Ça déboîte un peu là. Ça fait du bien. La chasse peut enfin commencer. Alors, le petit capteur qui va bien. Ouais, je l'ai fumé. Je l'ai fumé là. Ah d'accord. Oh la vache. C'est tellement bon ça. Merde. Non. C'est parti pour un tour. Voilà. Oh là là, c'est l'âme d'énergie, ça fait tellement plaisir. Il n'y avait pas un sniper là après tout à l'heure. Eh, piti. Ah bah voilà. Allez. La cible et ses sbires ont été éliminés. L'étau se desserre un peu plus sur l'UNSC. Dites, Major, vous avez vu l'arme modifiée que la cible portait? Plutôt ingénieuse, même pour les parias. Du coup, je l'ai copiée. J'ai envoyé le schéma modifié à nos bases d'opérations avancées. Ça devrait nous aider. J'allais vous dire d'envoyer un mot de remerciement pour cette amélioration, mais le destinataire étant mort, vous pouvez laisser tomber. J'ai aidé à verrouiller une nouvelle variante d'arme. Yes. C'est cool, ça se passe bien. Première mission réussie. Alors, qu'est-ce que j'ai à choper moi ici? Des grenades. Et même pas un petit fichier audio ou un truc comme ça. De toute façon, j'ai dit que ma deuxième mission du jour après c'était de choper les. Le fort rançon là ou le donjon, je sais plus quoi là. Ah, en fait, on peut arriver par partout là. Moi, je suis arrivé de la grotte. On peut vraiment guider en fait le côté où. Comment on arrive avec le grappin. Très beau.
Ah, ça c'est de la technologie Forerunner. Où c'est que je voulais aller? Ah bah là. Ok. Escouade Carrera. Ok, on va y aller, on va aller les aider, surtout si j'ai une épée. On va tourner un peu à gauche. Ils sont où là? Tout droit, ok. Ah oui, tu peux t'en servir de balance. Il y a un vaisseau qui arrive. Oh, surprise! Alors, un petit caisson de l'UNSC. À chaque fois, je me... Module de Spartan. Sniper. Un lance-rocket. Allez, on va utiliser ça. Ça va les aider. Il y a des chemins et tout. Hein. Il y a franchement des trucs, je suis sûr que ça mène quelque part, c'est obligé. Je vais être dessus là. On approche d'une escouade de marines sans détresse. Ok. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Bonjour. Au revoir. Ah punaise, j'ai fait le bourrin. On y retourne. C'est toujours plaisant, ça me fait rire. Alors, faut bien que je vise le pied. Est-ce que là on va les libérer? Voilà, j'ai plus rien, on peut y aller. Bonjour! Ah mais sérieux? Ah oui, il y a les snipers, faut que je m'occupe des snipers d'abord. Voilà, des hommes libres! Voilà! D'autres parias arrivent. Ouais, ouais, j'ai vu. Yeah, yeah, yeah. Perdu la vie sur cet anneau. Mais depuis votre retour, les rescapés ont une chance. Je m'étonne. Ouvrez la marche. Alors les gars, on s'ennuyait de moi. Les armes de précision sont prêtes. Ok Roger.
Allez, il faut qu'on aille au donjon là, c'est le donjon que j'avais ciblé. Ouais. Je peux pas appeler de véhicule là. Qu'est-ce qu'on a là? Des grenades. On y va à pied, c'est parti! Qu'est-ce que je peux faire pour vous, chef? Suivez-moi! Alors j'ai ça, où ça? Parfait. Ouais, tiens. Embuscade! J'ai besoin! Mais nous avons coupé les Chines et nous nous sommes soumis. Les Covenants parlaient de loyauté. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que nous renoncions simplement à notre destinée. Comment je le détruis ça? Je suis là, j'ai pas bougé. Allez, on y va. Il y a des gens là-bas, là. On y va, tranquillou. Une embuscade. Une embuscade. T'as vu la gueule de l'embuscade? Je suis tout seul, mec. Ah ouais. Tout va bien? Allez, on s'y met. Le démon se dirige vers nous. Ouais. La livraison de matériaux est confirmée. Tu veux que je te mette une branlée? Allez, hein. C'est là le donjon de la rançon. On est parti. Le champ de l'avant-poste que nous avons découvert à la base, ça ressemble à une sorte d'opération de récupération. On fait quoi? On le neutralise. Ah, bien sûr. Il nous attaque. Les parias tiennent vraiment à protéger leur silo à carburant. On dirait. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Les contrarier. Bien. Vous devez d'abord lever manuellement chacun des silos. Voilà. Ah, ça se fait. Il est mort. Allez, le silo à soja, c'est parti. Le silo est sorti. La bonne blague, l'aile ou la cuisse? Ah, t'as aimé ce film? T'as les marines sans armure et bouclier ni rien. Le mec, c'est des Jedi. On va rentrer par derrière, nous, non? Non, on peut pas. Pili pipi pi. Y'a combien de silos à grains là? Ah, d'accord. Fier de servir à vos côtés. C'est peut-être fini, mais on sait jamais. Restez sur vos gardes. Compris, on est prêt. C'est peut-être fini. Non, mais c'est jamais fini. Ça sent les embuscades.
Oh là là, il y a un tank. J'ai pris une décharge en plein museau là. Merde, c'est juste le portail. Thank you very much. Eh ben, démon! Cessez le feu, Marit! Il est temps de faire une pause. La chasse commence! Roi doit fuir! Ouais, tu peux fuir maintenant, c'est bon. Eh ben, c'est le donjon de la mort, hein! Reste ici! Même tout au fond du trou, il y a toujours de l'espoir. Il est mort. Oh là 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 là, il y a un tank là. Allez, on sort le silo carburant. Faut le détruire, c'est ça après? Ah oui. Parti. C'est qui m'a tiré dessus là? Merci mon gars! Je suis un poète! Pas bien, pas juste! Concentrez, Marine. 5 sur 5, j'ouvre l'œil. Attention! C'était lui ou moi? On va faire boum! J'ai pas pété les silos là! Enfin, même aucun d'ailleurs. Ah! C'est un fichier audio de paria, je crois. On l'écoute! Du coup, ma voix doit être moins forte et passer moins au-dessus du son, et le son doit être plus écoutable. Sérieux quoi? Vraiment pas de trace hein. J'aimerais vraiment pas avoir vos tronches. Alors laissez-moi. Ouais, laissez-moi prendre ça là. S'il vous plaît. Non, parce que je vais te mettre hors service le...
Je vais te mettre à resservir le reste, moi, mon gars. On a perdu le silo 3. Attends, il y a le 4, il y a le 4. Défendez le donjon de la rançon. Déploiement immédiat de toutes les unités. Too late. Qu'est-ce qui se passe? Donjon de la rançon, répondez. On a de la compagnie, Major. Enfin, plus de compagnie. On dirait que les parias démontent et réparent des véhicules ici. Plus pour ah ouais temps. Je marque les baies de maintenance. Bon, allons-y. Allez, on y va, c'est parti. Salut, bassiste! Eh ben, t'arrives en pleine guerre! J'ai bien pris le rythme du jeu en main. Je prends des petites caisses là. Oh là là, sérieux? Lui il vole. Ah lui c'est une brute. Alors je suis coincé là. Ah. C'est la guerre, la guerre. Oula. Il y a la suite là après non? Ouais, grenade quand il débarque, en plus il y avait les piles à plasma. Il y a les tourelles sur les vaisseaux, alors ça désingue bien, et puis après ils ont des lance-grenades. Ah, je suis bien concentré là. Ouais, mais c'est bien dur hein, le mode héroïque, franchement, je pensais pas que ce soit aussi dur. Mais c'est bien, franchement. Carabine Covenant, ouais, de toute façon, c'est pour dépouiller leur. Leur bouclier surtout, bouclier d'énergie. Ça va, les élites et les brutes, ça va, maintenant j'ai pris le coup. Comment je rentre là-dedans? Ouais. Campagne en coop dans 6 mois, le 5 mai, ça sera dispo. Pas avant. Pourquoi ? Ah oui, ça part de partout. Le multiplayer, bah, il est gratuit, il est déjà dispo depuis un mois là. Un mois ou trois semaines? J'ai perdu toute mon escouade de Marines. Voilà. Le sabotage à la Master Chief. Des équipements UNSC pour réparer du matériel
d'extraction? Les parias cherchent quelque chose sous terre? Un peu, ouais. Franchement, sur les élites, en fait, il y a plus d'une dizaine de covenants et de cibles. Des fois, ils font des petites blagues, tu les crèves et ils te lâchent des grenades aussi. Il y avait un tank quelque part. L'épée, ouais, je l'ai utilisée là, au tout début. Ouais. Tout début de live. Ah, ça c'est un shot. Oh oui, d'accord. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Toi, j'arrive à faire des bons trucs, mais après, y a des trucs, j'ai pas encore l'habitude. Il démonte des équipements UNSC pour réparer du matériel d'extraction. Oui. Les parias cherchent quelque chose sous terre. J'ai perdu tous mes marines. Ah oui, mais c'est vrai que j'aurais pu prendre l'épée, je suis bête. C'était ça que tu voulais dire. Ça. Trop mal tête, oui, sur un petit edit comme lui, mais après... Ah, tant que je vais pouvoir la récupérer, celui-là, je crois. Vous voyez ça? Un scorpion M808. Et il est plutôt en bon état. Ça peut être utile, si on aime ce genre de choses. Ah, oh, j'aime ça. Il est où, là? Pas là, l'autre. Et paf. Je sais pas où il est passé. Le donjon de la rançon est HS. On a gagné, Major. Enfin, à vous surtout. Dans le tas comme un con. Ah oui, il est derrière moi, ouais. Mais il m'a pas attaqué depuis tout à l'heure. En fait, on a un tracker maintenant. T'as le grappin, en plus, t'as un tracker pour voir les déplacements. Le donjon de la rançon est HS. On a gagné, Major. Ah, il est là. Enfin, à vous, surtout. Voilà. Je l'ai fumé, celui-là. Merci. Putain, par contre, ces coups de coude, c'est tellement du bien. Et pour l'instant, on n'a pas les doubles armes. Il me semblait... on a parlé à Mika hier, il y avait les doubles armes avant. J'espère que le son du jeu est pas trop fort, j'ai baissé la voix. Ah, voilà. Faut le récupérer ou pas celui-là? Allez! Monter dans le tank. Ah oui! Inspecter les sites de fouilles paria. Ah. Ah, franchement, je prends mon pied hein, sur ce jeu-là. Passez devant, Spartan. T'as qu'à monter. Après, tu peux du coup les virer. Bah, moi non plus, là, ça va, je gère avec une seule arme, mais c'est vrai qu'une double épée, par exemple, ça peut être pas mal. Ouais, elle est vraiment, vraiment magnifique. Après, là, je suis qu'en 720p. Je bouge pas. J'ai tout mon temps.
Mais elle est vraiment magnifique, ouais. Je sais pas pourquoi les gens l'avaient décrié qu'il y a un an quand ils avaient montré les vidéos. Mais y'a rien à dire. Les armes, non, je pense pas, non. Non. Non, les décors sont pas destructibles. Ah, c'est une capsule de brut, ça. Ah oui, il y en a un qui a la toile, je suis bête. Là, on va aller tranquillou au site de fouille là, parce que là c'était une quête secondaire du coup. J'ai trouvé un silo de carburant, après il y avait un mercenaire élite à tuer là. À l'épée. Le maître d'épée. En route, mauvaise troupe. Voilà. Ah, il y avait Banshee là, je crois. Est-ce que je vais pouvoir passer là? Je puisse aller à mon rendez-vous? Encore un épisode qui va durer une heure. Bah après, il est dispo hein, sur PC. Voilà, ça servira plus celle-là. T'as vraiment une face de gorille. Ah bah franchement, les sensations pour moi c'est équivalent entre le 2 et le 3 quoi. Est-ce que ça passe là ou pas? Ça passe pas, si. J'ai perdu le contact, on y va. Ça passe, ça passe, ça passe. Après, je pense que la quête principale, il y en a pour une dizaine d'heures, mais bon. Le multiplayer, si, il est déjà... En fait, il est à part, ils l'ont fait à part. Le multi, je l'ai testé déjà. Mais le mode coop, non, le mode coop, c'est en mai. Mais bon, après, si tu le prends, on pourra le faire ensemble. Il n'y a personne là, c'est marrant, parce qu'avant que j'ai fait le donjon... Il y avait tout un barrage avec un vaisseau. Ah. Allez, viens. Voilà, ça c'est une brute. Voilà, mais alors quand t'es pas dans le tank, je peux te dire qu'ils font... ils font peur. Ouais, pour le multi en coop. Ouais, bah en mai, du coup, mai 2022. C'est jamais. Alors, quelle route je peux prendre? Aucun visuel. Sans les quêtes secondaires, je pense qu'il y a, je sais pas le nombre d'heures, je pense qu'il y a plus de 10 heures. Je crois qu'on a des amis à l'intérieur. Charge sur moi! Bloquez-vous, ça va péter! Voilà, c'est une brute en moins. Les brutes, c'est des sortes d'élites en fait. Bah ouais, après faut que je m'entraîne parce que là je joue tout à la manette, mais après il... Je sais pas si il est crossplay. D'accord, c'était quoi ce bruit? Y'a pas le grappin tout ça, hein. Le multi c'est vraiment le multi à l'ancienne. Celui qui fait plaisir.
En fait, tu peux améliorer tes armures. Il arrive. Claire. Voilà. Ouais. Tu peux tout monter là. Ah, il faut que je m'habitue au. Ennemi éliminé. La base avancée Echo est prête à être récupérée. Tu peux tout monter, ouais. Rapport du capitaine, INF 101 à Orodaté. Cryptage Lambda Key Alpha. J'ai parlé au commandant Palmer. Il m'a assuré que notre contingent de Spartan est prêt à partir. Le commandant Sarpong en a fait de même avec nos divisions d'infanterie et ASCO. Le Spartan Locke a déjà engagé les phases de l'opération percée. Mais je me demande à chaque nouvelle sortie jusqu'où ira notre chance. Et maintenant, voici mon moment préféré de la journée. Le débriefing avec le docteur Alcée. Cette femme est incontestablement brillante. D'accord. Mais le prix à payer augmente chaque jour un peu plus. C'est bien d'avoir un spécialiste du jeu, parce que moi je suis vraiment... J'ai commencé par le 3, après j'ai fait le 2 et... Jeff, ça va ? J'ai même jamais fini Reach, je crois d'ailleurs. Base capturée. On dirait que nous sommes juste au bord de l'île. Un morceau de ce qui était autrefois une structure unie. Vous imaginez la force qu'il a fallu pour briser cet anneau en morceaux ? Ça devait être impressionnant. Après, tu peux augmenter le capteur et le générateur de bouclier. Bah, apparemment, ce qu'il disait là, ce que j'ai lu, c'est que le mode normal il est un peu compliqué. Le mode héroïque il s'apparente plus au légendaire, et le légendaire encore plus dur que d'habitude. Enfin, pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec les. Au Halo, du coup. Donc, tant mieux. Au moins, ils ont pas revu à la baisse le niveau, quoi. Je vois une autre base en ligne. Je reste en attente. Hey Major, j'arrive avec le Warthog que vous avez demandé. Un problème. C'est comme les pizzas. Donnez-moi deux secondes. Et là, en fait, quand on capture des bases comme ça et qu'on a des Marines, après on peut aussi redéployer des armes et des véhicules. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais le mort? Putain, c'est vrai, la conduite, par contre, je ne... Est-ce que je peux récupérer mon tank? Redoute de la scission. Tant qu'il a disparu ou pas? Ah bah je vais prendre ça moi. Au revoir. Ça suffit comme ça. Voilà. Je prends le canon, ça va barder. Bon, vous montez ou pas là? Un seul joystick, oui, celui de gauche, ouais. Du coup quand... C'est vous! C'est vous, soldat! Il fait des roulades devant moi. Il y a quelque chose là-bas, je crois. En fait, le truc le plus difficile, c'est qu'il y a des gros élites snipers. Combien de temps on peut encore tenir ici? Ils font bien mal. C'est bien, c'est que là, il y a un fort, il y a un truc à prendre. Tu passes par où tu veux, quoi. T'as pas de chemin où t'es obligé de passer. Tu peux faire le tour, passer par en dessous, au-dessus.
sa chair. La tête du Spartan reviendra à toi, Sarge. Là-bas, les Marines. Ça doit être là qu'ils amenaient les prisonniers avant de les envoyer à la tour. Faut qu'on les fasse sortir de là. Le Spartan est ici. Sécurisez vite les prisonniers. Allez, on va rigoler un coup là. Allez, à plus. Bien résistant. Merci d'être passé. Ah. Petit défi, ta bobine me revient. Ok. À toutes les unités, trouvez et éliminez le Spartan. Oh le headshot. Bordel. La route de la mission est compromise. Oh putain. Oh là 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 là, la pression, la pression, la pression. Je vais me mettre en sécurité parce que... Voilà. Je vais les aider, je vais les soutenir de loin comme ça. Tu dis, calmé pour toujours. Bonjour. J'espère que t'aimes ça. Je suis là. Coucou. Le mec s'est planqué, il a snipé et tout. Mais j'ai tout fait là. Du snipe au...
Ben voilà. Putain, la vache, c'est sensation quoi. Je balance des caisses. Il est où? C'est bah mon chat alors. Bien ça, t'avais un dévasteur mec. Je mets tout au-dessus depuis tout à l'heure, non? Voilà, dans les noix, ça marche. Ça. Ah oui. C'est bon, ça ventile. Ta-da-da-da. Je capte un dernier signal UNSC à l'intérieur du bâtiment central, sous haute surveillance. Vous devez tenir. Oh, la musique là, elle est bien aussi celle-là. Ok. J'aime ce rythme. Bienvenue, merci le renfort. Pour une fois qu'il arrive à l'heure. Terminé, mon gars. Ouais. Bravo, retour de Sion. Major, on vous croyait mort. Merci. 100 points de bravoure. De rien, mec. La redoute de la scission n'est plus contrôlée par les parias. Niveau assaut de prison, on est à 2 sur 2. Les Marines veulent sûrement réduire les lieux en cendres, mais au moins, plus aucun prisonnier ne transitera par ici. L'épisode 3, on a fait que de la quête secondaire. Solide à suivre sur le site de fond. Ne vous méprenez pas, Kaido. Nul ne remet en cause votre surveillance de cet avant-poste de traitement des prisonniers. Néanmoins, elle est insuffisante. N'oublions jamais les leçons de la guerre. Un seul démon s'est relevé des ruines de leur monde et a mis à genoux l'Alliance Covenant tout entière. Nous l'avons déjà cru mort autrefois, et nous avons payé cette erreur le prix fort. Nous n'avons pas le droit de la reproduire. Allez, encore plus d'audio. Ça fait des mois qu'on se terre dans des trous. Cet anneau est presque débarrassé de la vermine humaine, mes frères. Survivants sont coriaces. Redoublez d'efforts.
enfants. Fouillez toutes les grottes, toutes les épaves. Mais ne les tuez pas. Ils finiront par nous dire où se cachent les autres. Chatlock et ses machines s'en assureront. Toute trace des humains aura bientôt disparu de la surface de cet anneau. Si tu le dis. Après, on peut tout ouvrir. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu comme épisode. C'était l'épisode 3, il va durer une heure. Je crois que j'arriverai pas à faire un épisode de moins... J'arriverai pas à faire un épisode de moins d'une heure, je pense. Voilà, on a libéré la prison. Il y avait combien de trucs audio à récupérer, du coup, dans la zone, là? La zone où je suis, c'est quoi ça? Il y a des crânes à récupérer? Ah, mais des crânes, je les récupère pas, moi, en plus. Deux audio, ok, et deux... C'est vrai qu'on peut faire des voyages rapides aussi. Celui-là, il est fichu. Et vous avez sûrement raison. De quoi il parle, lui? Bon, bah on va sonner la fin de l'épisode ici, hein. C'est pas mal, avec une belle vue comme ça. Sinon, on se met une belle vue sur le tank. Comme ça, là. Ça n'a pas marché. Je vais essayer de fouiller après en live. Essayer de trouver tout ce qu'il faut, là. Les bonus, les trucs à récupérer. Voilà. Ciao ciao et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui étaient là. Ah bah c'est ce qui est encore une fois passé. En même temps il est fan de la saga, c'est celui qui s'y connaît le mieux. Dans les amis que j'ai. Et je vous dis à bientôt pour le 4e épisode du coup. Et sinon, vous venez me voir en live, vous verrez. Je ferai aussi des quêtes secondaires comme je viens de faire sur la vidéo là. Rien ne sert de se précipiter. Autant tester le jeu à fond, essayer de se faire un maximum de plaisir et de 100% d'objets, de découvertes cosmétiques et autres. Et donc, n'oubliez pas les doigts en l'air, les partages, le like, commentaires, tout ce que vous voulez. Merci, merci. Ciao, ciao.